What's up YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis heureux d'avoir repris la caméra, d'avoir continué les vidéos. Je viens juste de rentrer en fait des courses. J'ai récupéré 2-3 conneries, je vais vous montrer. On m'adore. Alors, en speed, on a récupéré des carottes, courgettes et tomates. On va faire une petite piperade ce soir pour manger avec, avec le poulet. Et donc, ici, pour manger donc avec le poulet. Ensuite, on a un petit jambon, des œufs. J'ai pris un peu de fromage blanc 0%. Je me suis pris une Gatorade ce soir pour aller m'entraîner parce que j'aurais envie d'avoir un petit truc, parce que je sais qu'après avoir passé la journée à la plage, j'aurais envie d'avoir un truc frais et un petit peu sucré. On a des fraises pour le petit déj de ce matin, du café, de l'huile d'olive pour la piperade et pour le poulet, et de l'eau, tout simple. Ah oui, une brosse à dents aussi. Une brosse à dents parce que j'ai explosé la mienne et que ma brosse à dents électrique Prozis ne marche plus. Du coup, j'attends la nouvelle et en attendant, j'ai pris ça. Hop. Donc si vous le savez pas, en fait, je me trouve à Saint-Gilles, à La Réunion. Il faisait vraiment très très froid en France. Il faisait 1 degré quand je suis parti et il pleuvait depuis 3 semaines non-stop. C'est-à-dire non-stop, tous les jours il pleuvait, tous les jours je me trempais. Enfin, je suis rentré au milieu de ces 2 semaines, enfin, je suis rentré au milieu de ces 3 semaines, donc je mytho un peu. Mais pendant une semaine et demie où je suis rentré, il a fait que pleuvoir, il faisait archi froid, j'en avais absolument marre. Le truc c'est que le froid et la pluie, ça me met le moral à zéro. Du coup, je me suis dit, plutôt que de rien faire à la maison, on va plutôt décaler, voir nos poteaux français de l'autre côté de l'Afrique qui, eux, sont en plein été, en pleine régalade, même si apparemment, il y a eu des petites pluies, etc. Vous commencez à vous plaindre à La Réunion alors qu'il fait archi beau. Je suis arrivé ici, il fait magnifique. Regardez-moi la vue en face. Il n'y a pas un nuage. C'est ouf, non? Voilà. Donc là, il est environ 11h. Et je vais faire mon petit déj parce que je me suis un petit peu prélassé ce matin au lit. Vu qu'il y a 3 heures de décalage, en fait, ici, à La Réunion, j'ai eu du mal à m'endormir. Du coup, je me suis réveillé un petit peu tard. Je vais me cuisiner mes œufs. Je vais faire des œufs avec des fraises. Voilà, des œufs avec des fraises. Et on va aller à la plage. Hein, on va profiter du soleil. Je vais me prendre que 4 œufs, normalement j'en prends 5 le matin, voire 6 en fonction de la taille des œufs. Mais la chaleur, mon gars, je te jure, ça te met un coup, t'as plus envie de manger direct. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai remarqué ça déjà quand on était aux Philippines. Genre je mangeais 2 fois dans la journée, je mangeais la moitié de ce que je mange normalement et j'en pouvais plus. Là c'est pareil, j'ai mangé un petit truc en attendant, j'ai mangé quelques fraises et j'en peux déjà plus. Donc du coup c'est pour ça que j'ai fait que 4 œufs. Même s'il va falloir que je tienne la journée, ce que je vais faire c'est que je vais m'amener... Je vais m'amener quoi? Du jambon je pense. Ouais, je vais m'amener les tranches de jambon, comme ça je mangerai, je me ferai un 4 heures. Et puis voilà, enfin on verra dans la journée. Ah, je suis content d'être ici, il fait super bon, ça fait plaisir. Voilà, la calzone est prête. Regardez-moi la beauté de ce truc, putain, la présentation, n'hésitez pas à noter ça dans les commentaires. Parce que là je me suis surpassé les gars. On va aller à l'Ermitage. On va voir si c'est pas trop plein. Il est 12h54. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, je me suis parqué à l'Ermitage. Je vais me baigner juste en face là. Je sais pas si on peut se baigner. Je sais pas si on peut se baigner parce qu'il y a des requins et tout. Et je crois qu'ils ont mis un filet requin tout le long du lagon. Normalement ça va être bon. Alors, je vais voir si y a des gens à l'eau de toute façon. Et je vais me baigner parce que de toute façon il fait super chaud. Et sinon je vais crever. Let's go. La 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 la
va descendre cette petite bouteille d'eau. Il faut toujours boire après la plage. Elle est archi chaude. Chier. Je suis dégueu, pire que chaude. C'est pas grave. Fini la plage. On va se mettre un peu de musique, on rentre à la maison, on va goûter et on décalera au sport. Qu'est-ce qu'on se met ? Des trucs chill. Let's go. Bon les potes, il est 15h30, je vais me bouffer ça, jambon supérieur aux herbes, donc un petit peu de jambon. Normalement je prendrais une tartine, tu sais, de pain complet comme j'ai juste à côté de chez moi qui est archi bonne. Mais là j'en ai pas pris, j'ai pas trop envie de manger de glucides, j'ai pas trop faim, je veux juste manger ça, ça va me caler. Je te dis, quand il fait chaud, j'ai du mal à bouffer, je rentre de la plage, j'ai le soleil qui a tapé, mais il faut quand même que j'envoie des nutriments. Donc je vais manger une tablette entière, non je rigole, je vais manger 3 carrés, quelque chose comme ça. Tu sais, c'est des carrés chocolat noir noisette, comme ça. On va se doucher aussi parce que je suis plein de sel. Et voilà. Et la lumière est bien là, je sais pas si vous la voyez. La lumière est bien du frigo. Attendez, je vais remettre ça au frigo. Je vais sortir mon jambon pour manger. C'est un jambon de la Réunion, j'ai oublié de le dire. Hein. Jambon de la Réunion. Voilà. Je t'avoue que les 10 jours en France, ils m'ont fait du mal parce que j'ai fait que manger quand je suis rentré. Il faisait froid, je sais pas, ça, le corps il a envie de manger et il avait envie de faire une hibernation, mon gars. Je faisais que dormir et que manger. Je bossais à la maison et j'avais envie de manger un truc de ouf. Du coup là, j'ai refait un peu de. Un peu de grassouille, mais bon, ça va repartir vu qu'il fait chaud. On va à la douche, on se retrouve après. Ok, tenue pour les s'entraîner, les gars. On a Gucci Socks, Air Jordan 1 que j'ai custom un peu, comme vous avez vu en live. Un short 6 quad. Un débardeur 6 quad. Et un petit maillot de baseball de l'équipe de Cuba qui m'a été ramené par mon frère Harley, donc merci à toi. Et une petite cape LA. On est parti s'entraîner. Close on Sunday. You my Chick-fil-A. I don't think we were meant to be. I don't think we were meant to meet. You said that you never loved me. Fuck you, I don't need you. I took a hit, now this pain's gone away. I needed you, now you won't stay away. Gave you my soul and you threw it away. I think that I fucking hate you. Ce qui est impressionnant à La Réunion, c'est ça. C'est d'avoir des montagnes aussi hautes. Si vous regardez là-bas, en fait, il y a les nuages qui couvrent la montagne. Avec au milieu, il y a des vallées. Donc il y a des... Oh putain, il y a un arc-en-ciel et tout là-bas. Et en fait... Oh, regarde ça. Et en fait, il y a énormément de dénivelé et c'est ça qui fait que c'est vraiment beau La Réunion. Avec souvent des nuages. Il faut dire que les nuages, c'est un plus dans les couchers de soleil. Franchement, regardez ça. C'est ouf. Ça donne vraiment un air psychédélique, ces nuages archi noirs. Et de l'autre côté, un ciel bleu, quoi. C'est juste ouf. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est plutôt pas mal. Ça va. I really hate you now. I have a new bitch now. My heart's been broken. You broke my heart for the last time. You made me cry for the last time. I needed you, now you won't stay away. Fuck away from me. You said you love me, you do not love me. You said that we would be perfect.
You use me, now I'm so broken. You fuck me, now I'm still hurting. I need your love, I am so desperate. Thinking about you, why did you leave me? You left me broken. You left me so sad. I don't think we were meant to be. I don't think we were meant to meet. You said that you never loved me. Fuck you. I don't need you. I took a hit, now this pain's gone away. I needed you, now you won't stay away. Gave you my soul and you threw it away. I think that I fucking hate you. Nous voilà de retour à la maison, on a préparé un petit peu de poulet qui est déjà cuit avec un feu fort, ça change parce qu'à la maison j'ai un feu électrique qui est pas très fort. Donc là je les ai fait bien griller, avec ça j'ai une ratatouille, donc avec de la carotte, j'ai quoi, deux carottes, de la courgette et une tomate comme je vous ai montré aux courses en fait. Donc qui sont en train de cuire, les carottes sont longues à cuire donc du coup je les ai mises en premier. Et on a du riz basmati qui est en train de cuire devant aussi, j'avais pas des masses envie de riz mais bon... ça me calera un petit peu parce qu'ensuite j'ai quand même pas mal de boulot sur lequel je dois avancer. Je vais aller bosser sur le PC. J'ai les programmes sur lesquels je dois avancer. J'ai les vidéos qui sont encore à monter. Et ensuite j'aurai une partie design à faire avec les vêtements qui vont arriver. Enfin bref, il y a pas mal de choses à faire. C'est pour ça que je suis ici aussi, pour bosser, mais bon, dans des meilleures conditions. Si vous l'avez remarqué, on est dans un nouvel appart. Celui dans lequel je resterai les 15 prochains jours. Et donc du coup, vous allez le voir dans le prochain épisode. On a une petite vue... depuis le balcon, enfin bref. Vous allez voir ça de toute façon dans le prochain épisode. On finit donc cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé les gars, bye bye. See what you had to know.